Oui, donc premier jeu de la soirée, c'est Book of Demons du studio que nous allons voir, Think Trunk. Donc un studio indé, évidemment, c'est un peu le thème de la soirée. Somewhere between space and time, there is a place, the archive of awesome. An ancient vault that guards the most amazing stories and myths. Each book, a magical gateway to the paperverse. Let me take you on a journey through the seven masterpieces. It's time to return to games. C'est vachement fort, hein? C'est bon. Clic gauche pour démarrer, clic droit pour accéder aux options. Les options. Ah, sur le bouquin. Est-ce que cela vous convient? Ou dois-je encore un petit peu baisser la musique? Donc le jeu est en français, ce qui est une bonne chose. Slay the Spire, je ne sais pas s'il a été traduit, c'est le jeu qu'on fera après. Mais on verra ça plus tard. J'ai même pas touché aux options. Aux options, pour vous dire, je voulais vraiment tout vous faire découvrir, même le menu options. Mais je pense que c'est bon. Donc Azov, niveau 0, je suis un ignorant, pardon. Et bah on va commencer. Donc je connais pas du tout, j'ai juste lancé le jeu, the Book of le temps de lancer le... A truly grim story in our collection, not for the faint of heart. A wandering hero returns home, only to find everything different than remembered. A horrendous evil rose from the depths of hell, devoured the brave and poisoned the living with despair. For in the depths of a place once holy, a dark ritual is concluded. C'est vachement bien. The ultimate evil has awoken. Adventure. Darkness. Horrors. C'est ça qu'on veut, c'est du loot. All of these await below. Pas de loot. Good luck. Vraiment sympa les animations style papier. Ne vous inquiétez pas si vous avez manqué des objets, vous finirez par les recroiser tôt ou tard. Donc je sais même pas trop en quoi consiste le jeu pour le coup. Yes! Alors, oui, aussi, la raison pour laquelle je fais ce stream ce soir, bon, c'est pas une coïncidence, c'est qu'on est le 13 décembre et qu'aujourd'hui Book of Demons sort de l'Early Access. Donc voilà, je m'étais dit que c'était une bonne occasion de le faire. Donc merci à tous ceux qui ont participé au développement et nous ont aidé pour les rapports de bugs et les streams sans fin. Enfin, les vapeurs sans fin, l'émergence sans fin d'idées d'amélioration. Le jeu aurait été définitivement très différent sans votre aide. Aurait été vraiment très différent. Fin de l'accès anticipé ne signifie pas fin du développement. Et il y aura une map post-release. Bon. Pour moi, pour le coup, j'ai pas du tout suivi le jeu. Je me souviens juste qu'il m'avait l'air vachement sympa et j'avais très envie de le faire. Et j'étais tombé sur l'info comme quoi il allait sortir de l'accès anticipé, je m'étais dit que c'était une bonne occasion. Sélectionner emplacement guerrier. Je sais pas ce qu'il faut. D'accord, donc ça c'est ok, il y a... Bon, créer un personnage. Le son est vachement fort, non? Jouer un guerrier, un puissant aventurier, confiant dans la... Ouais, confiant, c'est ça, dans la puissance brute de l'acier. Il maîtrise toutes sortes d'armes et d'armures.
Vous pouvez parfois apercevoir dans ses yeux une petite lueur de folie quand il charge un grand groupe de monstres. Et on commence avec l'épée d'ombre, accorde une attaque de plus contre un autre adversaire à portée, une bombe toxique et un souffle puissant. Inflige des dégâts massifs et étourdit la cible. Sinon je vais pas me faire chier. Il s'appelle comme moi, c'est fou. Donc, 3 niveaux de difficulté. Décontracté. Normal ou roguelike. Conçu pour être impossible à vaincre sans chance ou talent exceptionnel. Donc ça c'est pas un mode de jeu pour nous. Drop de cartes aléatoires mais adapté de manière à contrer les talents ennemis. La campagne principale peut être ardue et on peut passer en mode décontracté quand on veut. Ouais. Normal, ça me paraît pas mal. C'est pas mal nordique comme m'en proposait, non? Il y avait ça, j'ai même pas vu. Donc, j'ai une jauge, ça c'est ma santé, ça c'est mon mana j'imagine. Un peu à la Diablo. Donc là c'est les slots de cartes, donc a priori j'en ai que 3 pour le moment. Et plus tard j'en aurai d'autres. Rage meurtrière, c'est un talent. Les stats. Convainqueur, mana. XP. Je suis intrépide, je suis niveau 1, novice, mais intrépide. Ah, apparemment, il y a des points pour le level up. Il y a du craft, on dirait. Et là, c'est le mode. Ouais. Donc, ça, c'est de la stat. Il n'y a pas des stats de. Ça, je m'en fous. Là, c'est ça, c'est toutes mes cartes. Carte spéciale, carte artefact, objet, sort, on sait pas quoi. Bon, on va laisser le jeu nous prendre un peu en main pour commencer. On voit des clés et de l'or. Is that really you? I'm so happy to see you after all this time. It seems like it's been ages since you left our town. I just wish we weren't meeting under such dire circumstances. Back then, it was peaceful. But now, the town is disturbed by a demonic presence that's spreading throughout the land. Most of our friends are gone. Some people fled. Some took their own lives. Some have just vanished. Those who stayed have lost their minds or are too frightened to leave their houses. I'm doing my best to keep everyone's spirits up. But the truth is, we won't survive for long without help. Just don't tell anybody I said that. You must have lots of questions, but I don't have many answers. Talk to the sage if you want to know more. He might be able to help you. En gros, c'est le bordel. Il y a un vilain démon qui fout. Qui fout le bordel. Et. Forcément, tout le monde s'inquiète, nanana. Et il faut qu'on aille parler au sage qui, a priori, pourrait avoir certaines réponses à nos questions. Je vais juste me permettre de passer en mode. Tac. Tac. Merde. Oh putain. Merci. Je vais me mettre là pour le moment, vu qu'on n'a pas les cartes de ce côté, sur la droite. Ça devrait pas être gênant. Voilà. On va partir là-dessus pour commencer. Tu pourrais augmenter ton micro. Oui, je peux monter un peu mon micro, il n'y a pas de souci. Je peux même le rapprocher afin de lui susurrer les mots. C'est bon là. C'est mieux. C'est vrai que mon son est vachement plus faible que d'habitude, je sais pas pourquoi. Là, normalement, c'est bien mieux. Mais on voit qu'il dépasse un peu, du coup, il va reculer. Hop. Puis je up un peu le son de la carte. Là, c'est bon, je suis même limite avec la saturation. On va peut-être éviter. Hop. Ah. Oui. Donc, il faut aller voir le sage. Je vous manque déjà. Donc elle peut me filer une clé en or pour 25 000 balles, un chaudron magique, et il y a des rumeurs.
Rumeur de bienvenue. Is that really you? Oh non. I'm so... C'est bon, je connais. Hop, je rebaisse un peu les effets comme c'est fort. Oh, attendez, il y avait un truc à afficher l'horloge. Qui est juste là-bas, ok. Your arrival brings hope to my old heart. There's no better way to forge one's skill than by traveling. I should know. But I beg you not to leave. We need you here. Dark things lurk in the depths beneath the old cathedral. I've seen plenty of people in my travels, but this makes my journey through the dragon wastes look like a walk in the park. Everything started with the disappearance of our bishop. I fear he has been dragged into the catacombs deep below the church. I do not know what caused such desecration in that holy place. That enigma is yet to be solved. And you are the only one who can do it. Just remember to be careful. Few who have ventured into the dark made their way back. And those who did were no longer alive. Comme vous avez le texte en français et qu'il est bien traduit a priori et qu'en plus on a la voix en anglais, je vais pas en plus vous lire le texte par-dessus, je vous ferai juste un petit résumé si vous avez la flemme de lire et que vous n'êtes pas très bon en anglais. Ok. Donc apparemment, il faut aller au niveau de l'église. Quête 1, le cuisinier. J'ai rien fait. Quête 2, l'antipape. Oh, mais le jeu me spoil de ouf. Salut. Il est trop métal, le canard. Book of Demons utilise des mécaniques de jeu différentes des autres jeux du type hack and slash. Si vous jouez pour la première fois, faites attention au tutoriel de manière à avoir la meilleure expérience de jeu possible. Bonne chance pour les donjons de papier. I am the sword that splits darkness. Cliquez quelque part pour bouger. Une jauge là qui se remplit, ça doit être l'XP. Ouais. Et j'ai pas le droit de sortir du chemin. Cliquez pour choisir une cible, votre personnage l'attaquera automatiquement. L'attaque automatique est lente, ça fait un cœur de dégâts. Cliquez ou maintenez appuyé sur la cible pour attaquer plus vite. Ok, et je peux me barrer à tout moment. Ça y est, je vois un ennemi, je panique. Bon, a priori, je ramasse le loot automatiquement. Les pièces d'or malheureux, quoi, j'ai oublié de l'or? Les icônes en haut symbolisent les points d'intérêt de ce niveau. L'icône est révélée quand vous en approchez. J'ai raté les pièces d'or? Oh putain, oui! Elle s'était cachée. Mais oui, les pièces d'or. Attends, c'est le bon jeu, je spam le clic souris. Ça. Nouvelle carte, souffle puissant. Donc c'est un sort donc qui consomme du mana. Et je suis obligé de cibler, donc j'imagine qu'il peut y avoir des pièges aussi alors. On va l'équiper. Ça part. Ok, j'ai juste à survoler la thune sans cliquer, ça c'est cool. Donc, bouton du coin inférieur droit. Ou I pour ouvrir l'inventaire. Je peux mettre mes cartes. Ouais. Yeah.
D'accord. Donc juste à faire un clic droit et ça va, ça va claquer ma carte. Les cœurs symbolisent votre santé, si vous les perdez tous, vous mourrez. Pas d'autorégène, mais il y a des fontaines de soins. Et il y a le guérisseur, ok. Vu que j'imagine qu'elle est à usage unique, on va garder la fontaine pour le moment. Oh, une coupe. Petite danse de la joie. Je level up. Alors, tue les monstres pour emporter de l'XP. Et level up. A chaque level up, tous les monstres perdent un cœur. Donc ça, c'est cool. Un point qui peut être ajouté à vos cœurs ou booster votre mana. I can see that the sanctity of this place has been fouled. Ah ouais. Ils ont tagué les lieux. Pour lever là, faut que j'aille là. Et donc, je peux mettre un point de vie ou un point de mana. On va mettre du mana. Un point du genre opposé va dans le chaudron. Pour récupérer le contenu du chaudron, parlez à l'aubergiste. Oh! Et même si je meurs, ça reste dans le... Ça reste dans le chaudron, ça c'est cool. Oh non, pas les tags dans une cathédrale, merde. Oh oui, j'avoue. Ok, donc c'est cool, le mana, on est bien. Premier étage, c'est fait. Squelette restant. Ok. Donc là, on a des guerriers squelettes. Et un monstre pas encore rencontré. J'adore les petits pas. Donc là, c'est... Ça, c'est certainement le prochain étage. Remarquez les empreintes derrière vous. Donc ça, c'est où je suis allé. Et c'est doré quand le couloir, je l'ai entièrement visité. Ça, c'est cool. Et il y a une minimap. Alors ça, c'est mon gros problème. J'ai pas vu la minimap encore. Et merde. Comment on l'active ? La minimap, ouvrez-la avec la touche tabulation ou la molette. D'accord. C'est pas forcément évident. D'accord. Donc certains ennemis ont des cœurs empoisonnés et provoquent une onde de choc qui m'empoisonne. Les monstres mortellement empoisonnés sont indiqués par un crâne. Ok. Et les zombies sont soignés par le poison. Je sais pas ce que c'est, mais ça a pas l'air de déconner. Le gameplay a l'air sympa. C'est vachement reposant. En vrai. Les boss sont difficiles à vaincre. Chacun d'entre eux doit être combattu en plusieurs étapes. Il peut se faire empoisonner normalement, ça c'est une bonne idée. I prevail. Nice. Là j'ai gagné une carte. Potion de santé. Ça, ça consomme pas de mana j'imagine. Coût d'une charge, ça coûte des gold. Non, attendez, c'est pas ça. Non, j'ai des charges. D'accord, donc là, j'ai une charge de potion. Et apparemment, je peux racheter des charges. Et ça coûte 100 balles.
Par contre, ça régène vainqueur, ce qui est énorme. Salut Morion. Et ouais, on change un peu ce soir. Je m'éloigne. Hop. Ok. Tac. J'ai vu un truc tomber là. Tac. Niveau terminé. Et ah, quand j'ai terminé le niveau, je peux cliquer sur les escaliers. Comme ça, je me casse directement. Ça, c'est cool. Voilà. Donc, on a fait la première partie. Waouh. Oh, je veux un avatar, moi. Qu'est-ce que j'ai gagné? Vous n'êtes pas mort une seule fois. Vous avez complètement nettoyé les niveaux. Vous avez tué jusqu'au dernier d'entre eux. Vaincre des squelettes, niveau bronze. Bon. D'accord, donc là c'est ce que je peux faire. Alors je peux aller voir l'aubergiste pour utiliser ce qu'il y a dans le chaudron, mais pour le moment non. On va plutôt les stacker, je pense. Et par contre, je peux aller voir la voyante pour charger mes cartes. Mais non. Je pense pas que le jeu va être trop méchant au début. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends plus. Félicitations, le flexiscope est désormais disponible. Je peux choisir la taille de ma session. Vous pouvez diviser vos aventures en morceaux plus ou moins grands. Quel que soit votre temps, le flexiscope s'assure que les récompenses et menaces soient équitables et que l'expérience de jeu puisse être achevée dans le temps imparti. Le flexiscope apprend de votre style de jeu. L'estimation de durée devrait s'affiner au fur et à mesure de vos parties. C'est cool ça. Et j'ai un poster qui est encore en train de se décrocher. C'est terrible. Donc là, il y a 3 niveaux. Donc je peux sélectionner la taille de ma partie. Alors j'ai que très petit et petit. Ouais. Donc en très petit, j'ai 2 niveaux. Et en petit, les 2 niveaux là grandissent et j'en ai un troisième. Je progresse plus rapidement dans l'histoire, j'ai plus de gold, forcément. Et le lot, je sais pas ce que c'est. Nombre de récompenses cachées. Carte, parchemin, clé, ingrédients du chaudron. Bah. Du loot. Bon. Il y a quelques monstres que j'ai pas encore rencontrés, mais ça devrait aller. Ok, il devrait y avoir quand même pas mal d'ennemis. Ah, une partie peut durer longtemps du coup, j'imagine. Alors. J'allais rusher le coffre. Sur les escaliers. Ok, de la thune. Il y a une fontaine si besoin. Pas grand chose. Ils ont pas. Mmh.
tout le monde a pris un cœur de dégâts. Ok. Ah non, c'était un cristal de mana. Les gargouilles ont des cœurs de pierre. Elles sont immunisées contre les attaques élémentaires, poison, feu et glace. Lorsqu'elles se changent en statue, elles guérissent au fil du temps. Prenez garde. Ça va, le jeu est pas trop méchant. Je vais juste vérifier, j'ai level up. Et quand je level up, ça me régène a priori. 10 points de vie, c'est pas mal, surtout si je ne les perds qu'un par un. Donc on va plutôt aller sur du mana. Inflige des dégâts massifs et étourdit la cible. C'est pas mal. Franchement, elle est cool cette carte. 3 de dégâts au lieu d'un. 25% de chance d'étourdir, plus le nombre de chocs. C'est honnête, hein. Après être descendu d'un escalier, vous pouvez revenir sur vos pas en cliquant à droite du niveau. Vous pouvez revenir en ville à tout moment, même au milieu d'un niveau en utilisant un portail. Oh putain, yes, des archers, les meilleurs mobs. Les archers, c'est toujours un bonheur à affronter. Spam, spam, spam. Bah bien joué à moi. Lorsque le démon brille, cliquez rapidement sur l'orbe pour raccourcir la durée du poison. Mais abruti! Mais fais! Yes! Yes! J'ai fait que de la merde! J'ai tout raté! Épée de l'ombre accorde une attaque supplémentaire contre un ennemi à portée. Ça me coûte 6 du truc vert de je sais pas quoi. Mana bleu, lance des sorts qui coûtent du mana bleu. Ça semble cohérent. Mana vert, équipé des cartes artefacts, convertit du mana bleu en mana vert. Le mana vert ne peut être utilisé pour lancer des sorts, mais vous pouvez récupérer du mana bleu en déséquipant les cartes artefacts. D'accord. Donc ça a converti 6 points de mana en mana vert. Le jeu est pas trop méchant qu'il disait. Non, le jeu est pas trop méchant, c'est juste moi qui ai fait de la merde. Ça, c'est l'escalier. Putain, je l'ai vu sauter. Fait quoi? Il m'accorde une attaque en plus. Et en gros, si je comprends bien, il n'y a pas de... C'est pas un truc activable, si tu veux, c'est un passif. C'est juste qu'en échange, bah, il me demande 6 de mana vert et je ne peux utiliser que 2 points de mana. J'ai l'impression que ça fonctionne comme ça. Oh bah yes! Il y avait une popo juste derrière. Terminé, hop. C'est un passif qui te bloque 6 points de mana, ce que j'ai compris. C'est ça, exactement. Et accorde une attaque supplémentaire, c'est plutôt cool.
Faut se méfier avec les... Mais... Quel abruti. Ça, c'est à cause de ma fâcheuse tendance à taper à côté des mobs. Hop. Pourquoi j'ai ramassé un caca? Oula! Faut peut-être calmer? J'ai une popo violette, je sais pas ce que c'est. Les ingrédients trouvés dans le donjon sont placés dans le chaudron et transformés en eau. Prenez garde en mourant, vous perdez les lots non collectés dans le chaudron. Le mana et les points de cœur sont préservés dans les modes décontractés et normal, j'imagine. Putain, excellent mob. Putain, mais ce spam. Oh! Enchanté. Putain, le nombre de mobs que je viens de bosser. Certains membres sont gardés par d'autres, ils sont immunisés jusqu'à ce que leur garde ait été tué. Certaines récompenses sont aussi gardées par des monstres. Vous devez tuer tous les gardes pour emporter le trésor. De lâcher des cures au sol en étant touché 40%, c'est bien ça. Ça veut dire qu'en gros je ne prends que 3 coups sur 5 en gros. Le coup de cliquer sur les mobs et se déplacer, je sens que c'est une mauvaise idée à cause des potentiels misclics qui vont bouger, qui font bouger sans vouloir. Oui, et en plus je suis très très mauvais pour ça. D'accord, puis là j'ai toute ma collection. Bah j'espère qu'on va débrouiller des slots, hein, parce que bon... 2000 balles auprès du sage. Voilà, 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 voilà. Voilà.
Parce qu'en fait, oui, le truc, c'est que ça vaut quand même le coup de les taper. Parce que ça va plus vite que l'attaque de base. Régène de mana au fil du temps. Je l'équiperai après quand j'aurai plus l'épée d'ombre. Enfin, quand j'aurai plutôt un quatrième slot. Hop, ce qui ne devrait pas tarder. Là, j'ai oublié un truc. Apparemment, j'ai encore oublié un dernier truc. Ah d'accord, faut pas que je clique, il faut que je glisse. Ok, on a raté un truc ici. Ah oui. C'est moi, il y avait rien par contre. Ah, reviens. Moi j'irai armure plus amulette en artefact. Je sais pas, moi j'aime bien l'épée, elle me permet d'attaquer deux fois. Par contre, c'est vrai que l'amulette peut être vraiment cool si ça me permet de régénérer le mana. Ça fait que même si elle occupe des slots et qu'elle rend une partie de mon mana inutilisable, bah c'est pas grave vu qu'elle va me permettre de le régénérer. Alors normalement, je vais pouvoir descendre en ville. Vous n'êtes pas mort une seule fois, vous avez complètement nettoyé les niveaux, vous avez tué jusqu'au dernier d'entre eux, et j'ai avancé sur des trucs apparemment. Waouh! Oh oui! Oh, je peux le partager! Je savais pas que ça se faisait encore ça. Plutôt sur des jeux flash, mais. Vous avez un point de level up à attribuer. Ok, comme j'atteins le niveau 5, je pourrai jouer deux autres classes. Donc le brigand, et le mage. Donc on verra ça plus tard. Rang ignorant. On commence tous quelque part. Faut bien. Pour 13 de mana. Et j'irai bien en ville, ouais. Ça me rappelle un peu Darkest Dungeon d'un côté. Même si j'y ai jamais joué. Il y a 2-3 trucs qui me living souls venture into the depths under the cathedral, as this is the realm where the dead rest. Countless warriors, men of the cloth, mages, and even kings of old were buried there with troves of gold and gems. But the dead are now restless. Animated cadavers are capable of experiencing only the most base effect, hunger. Who can imagine a less meaningful existence? Their bodies are still. Je veux déverrouiller le slot. These creatures are made of stone, which makes them extremely resilient to elements. Fire, frost, or poison can. Laisse-moi, oui. Listen for a while. Oui. Oui. Et du coup, on va prendre l'amulette. Et paf. Voilà. Puis après, l'armure, mais bon. Pourquoi pas? Quoique l'armure, j'aurai plus du tout de mana après. Alors que le souffle est quand même sympa. Voilà. Pour 500 gon, je peux récupérer 4 points de vie et 5 lots. Est-ce que je les prends ou pas? Plus tard. Thank the heavens for hearing my prayers and sending us a champion of light. I shall aid you in your struggle to the best of my limited ability. Il essaie de m'encouter. Come to me should you need remedies for ailments of body or soul. Yet you should remember it is no small task to face them. Ouais, il y a des gens qui sont perdus, on sait pas quoi. La rage meurtrière se recharge à chaque level up. Au niveau max, elle peut être rechargée ici avec de l'or. Mais il faut l'avoir OK, niveau 10. Greetings traveler. People call me the fortune teller. I'm pleased to see there are souls courageous enough ouais, to visit a place like this and stay. In truth, elle est très modeste. I came here recently myself. Mais elle trouve l'auberge jolie. As I had to leave the royal capital. I am certain you have already heard about me and my excellent skills from the lovely maid I'm tutoring.
Je résume brièvement. When I say you will find my craft most useful in your adventures. Feel free to talk to me should you need any assistance. Les gens ici, ils sont bons mais cons. The townsfolk are good, but simple people. Sauf le sage. About the arcane. That sage may be an exception, but his mais si elle trouve que c'est un vieux con. Wit, not to mention his social skills, cards are my specialty. They represent a novel approach to magic, offering a superior alternative. Elle nous dit que les armes, c'est cool, ça évite de se trimballer avec des armures. Les armes, les cartes. Unfortunately, new things are often frowned upon, even more so in quaint places like this town. Can you imagine not so long ago those... Oh, je peux améliorer les cartes. Je peux charger une carte. Voilà, donc typiquement la carte potion, je pense. Ou peut-être une autre, je sais pas. Parce que la potion, je peux la recharger auprès du prêtre ou de l'apothicaire, je sais pas trop ce que c'est. Et après, il y a des runes. Bon. Greetings, oh non, rien à foutre. Card. On peut y retourner. Très petite, moyenne. Moyenne, ça me tente bien. On sait une moyenne ? 16 lots. Ça augmente de 8% de progrès, 9000 balles. Allez, go. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Sanglier volant. Merde, j'ai cliqué. Je voulais voir ce qu'il y avait d'autre. J'ai cru voir des mages. On peut désactiver l'attaque automatique en maintenant appuyé la touche stationnaire, shift par défaut. Logique. I got lost several levels up, but I'm way too proud to ask for directions. Ah ouais, si je fais shift et que je clique, je bouge pas. C'est forcément attaqué. Ok, donc on va jouer avec le shift. Je suis étonné que ce truc m'attaque pas. Stylé de pouvoir choisir la durée de la partie. Ouais, c'est vachement cool comme option. Voilà. Commence bien, j'ai déjà claqué une popo. Bon. Je suis passé devant une récompense sans la récupérer. Ah ouais. Et apparemment, j'ai pas tout fait là. Voilà, comme ça il a capté qu'il n'y a plus rien. Oula. Et un sniper. Je peux pas utiliser ça en fait quand je marche. Ce que je ne savais pas. Même si en soi c'est logique, mais. Ça fait 2 points de dégâts, je ne savais pas, pardon. Cliquez sur votre pierre tombale pour récupérer vos objets perdus.
Yes. C'était rapide. Hein. Faut que j'aille sur ma tombe, on me dit. Pour récupérer mon stuff. Lui, il veut me parler. When evil strikes you down in the dungeons, it takes a lot of my effort to deliver your soul from the clutches of darkness. Death always takes it. Le chaudron. C'est vrai, mais le chaudron, il est sauvegardé, lui. Donc ça va. D'ailleurs, je commence avec plus de points que tout à l'heure. Yes, on a rien vu. Oh, je suis invulnérable pendant une petite période, on dirait. On n'a rien vu, je suis pas mort. Yeah. Oh la campouse. Oh si, parfait. Reviens. Ouah, je suis vraiment trop fort. J'ai gagné les doigts dans le nez. Un spell, ils sont immunisés aux dégâts. Cliquez pour maintenir la bulle de talent pour interrompre le sort du monstre sélectionné. Ouais. Putain, j'ai pas vu. Un peu chaud, hein. Réserve de vie quand t'es empoisonné, oublie pas. Oui, mais alors, oui, t'as raison, mais a priori ça marche que quand l'empoisonnement va me tuer. Si je peux y survivre, il. Bon, il va me laisser dans la merde. Merde. On va prendre la vie. D'être mort, mais bon, ça se remplit à l'infini.
un marteau. Protection, repousse les ennemis à proximité. Alors en théorie, c'est ce que fait déjà ça avec l'onde de choc. A priori, j'ai oublié un truc là. Comme une petite icône qui m'indique. Ah bah oui. Hop, et voilà. Hop. De l'XP. Je vais prendre de mana, même si bon, vu que j'ai de la régène, c'est pas. Je ferais mieux de prendre de la vie en fait. Comme j'ai de la régène. Et c'est combien le prochain slot? 5000. Parce qu'à la fin du niveau, il faudra qu'on remonte pour prendre un nouveau slot. Pour un guerrier, j'ai quand même une très bonne portée, je trouve. Hop. Nouvelle carte remède, soigne divers effets négatifs et vous en protège partiellement durant l'effet. En contre, poison, ça peut être sympa. A priori, ça se régène, mais il y a un coup de dingue. Et voilà. C'est vrai que ton perso a une sacrée allonge du bras. Ouais, ouais, c'est assez fou. J'ai l'air d'avoir moins de trucs en bas. Quoique. On va tremper des fontaines de soins. Hein. J'ai même pas vu la carte. Si le remède j'avais vu, la protection pareil.
J'ai pas chopé un truc? J'ai level up peut-être. Je sais pas, mais il me semblait avoir vu un truc. Alors ce qui est bien, c'est que le poison passe à travers le bouclier, ce qui en soi est logique. Et du coup, je peux tuer les ennemis juste en faisant exploser un truc de poison à proximité. Et pas besoin de les... de casser le shield. J'ai toutes mes charges. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quelle surprise. T'as oublié un petit sac à l'endroit où tu as tué le petit boss. Où ça? Ah oui. Genre la petite bourse posée en plein milieu et qui brille. Et je la vois pas. Bien, je peux attaquer deux mobs à la fois en fait. Ce qui est vachement cool. La hache brûlante. Ça met du feu sur mes attaques. Ça peut être plus sympa que l'épée d'ombre. Hein. Ça que le jeu non seulement nous prévienne quand on a fini le niveau, mais en plus nous donne la possibilité de se TP à l'étage suivant, c'est génial. Des attaques rapides et répétées mettent en colère certains monstres, de tels monstres se soignent et possèdent des attaques spéciales. La jauge de colère vous indique dans quelle mesure un monstre est ennuyé. Mais je peux les geler ou les stun. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Très belle référence. Merde. Je voulais tester, je pensais que je pouvais tenter de rusher et merde. En fait, il n'arrêtait pas de se régénérer parce que le poison leur permet de se heal. Sauf que comme ils sont tous empoisonnés, dès que j'en bute un, ça heal tout le monde. Ok, donc ça c'est la fin du niveau. Là, il y a une fiole. Donc une charge pour le remettre. Let's teach it a lesson.
Casse-toi. Casse-toi. C'est marrant, j'ai pas perdu de PV. Ça mimique ça. Voilà, voilà. J'avais pas fait gaffe, j'étais à un PV alors que j'étais empoisonné. J'ai trouvé une carte rare. Mais il faut que je l'identifie avec le sage. Rune solaire. Ok, donc c'est une carte qui me permet d'en upgrade d'autres, visiblement une carte verte. Nouvelle rumeur en ville. Oh, je peux aller en ville quand je veux, tiens, c'est bien ça. Bonjour. Non, je me souviens pas. Watching the clouds and guessing our future from their shapes. We saw many strange things, but I never suspected what fate had in store. En gros, elle me dit que tout le monde est gentil sauf les méchants. Et c'est vraiment ça pour le coup. Les 6 points de vie me tentent, hein. Challenge and a chance to use my knowledge for the good. These mystical cards aren't used to cheat and get money from the hopeless and naive, so of course the fortune-telling woman knows nothing about them. However, the true scholars of the arcane, like the hermits of the Eastern Wilds, il est d'accord d'identifier mes cartes. Barmaid is as kindly as strong, and these two qualities rarely go hand in hand. She's been caring for me as if we were family, and not once has she complained. I've visited dozens of inns. Même pas, ça a l'air gratos. Ah non, c'est pas gratos. Forcément. Armure sanglante du tsunami. Récupère les cœurs perdus pendant la bataille. C'est trop bien. On va faire ouvrir un emplacement. Pour chaque carte, des variantes magiques et légendaires plus puissantes sont disponibles. D'accord, donc moi c'est ça que je viens de choper. Elle coûte tout aussi cher, mais elle demande un niveau minimum, le 6, je pense que je l'ai, même si j'arrive pas à voir. 40% de chance de drop un cœur quand je me fais toucher, pareil, mais portée de la TP et des ondes de choc améliorées de 5%. Indication sur la hache, un cœur gelé, il faut taper une fois dessus pour le dégeler et une deuxième fois pour le briser. Mais la hache me permet de faire ça en un seul coup. On verra ça plus tard. Perhaps you have noticed there seems to be some antipathy between the sage and the fortune teller. You would do well to pay no heed. Ils foutent la gueule des deux qui sont en train de se foutre de la gueule l'un l'autre. Ah, so you came across a rune
unit card. Donc là, elle me parle de la carte unique. A priori, je peux améliorer une carte. Car j'ai deux runes. Ok. Je peux améliorer la potion de santé. Donc, une charge me coûtera bien plus cher. 300 au lieu de 100. Mais j'ai double de charge, donc 8. Et cœur restaurera automatiquement le double. C'est pas très utile pour le moment. Les charges, j'en manque jamais. Et 20, il y a de quoi me régénérer toute ma vie. Donc j'ai la rune solaire, il y a lunaire, vie, mort et vérité. Donc là, on dirait qu'il faut un lunaire et un mort. Ok. Donc avec solaire, je peux upgrade que mes deux potions. On va les garder pour le moment. Et il me reste un dernier étage. Et un nouveau mob d'ailleurs. Ah, peut-être le boss. Faut que j'aille dans la zone. On en parle du kangourou. Il s'est régène. Ah bah non, normal, il y a plusieurs phases. Les kangourous avec 10 milliards de vies. Monstres élémentaux indiqués par un cercle épineux. Ils peuvent brûler, empoisonner ou geler. Donc c'est des variantes. Les pièces par terre. Mais sérieusement? Mais non. Ou alors de vous parliez de pièces que j'avais déjà ramassées. Pour une fois. Faut avouer que j'ai tendance à un peu oublier du loot. Ceinture squelette. Accorde diverses bénédictions magiques au porteur. 20% de chance d'esquiver les attaques de squelette. 20% de chance de stun un monstre quand je me fais toucher et potion efficace de 50% en plus, donc 30 PV au lieu de 20. Je les ai ramassés après coup. Bah oui. Ah, je drop un cœur. Bien joué. Je suis allé pile dans la zone. Nice.
récompense à ramasser les PV par terre quand t'es touché. Aussi, alors j'ai eu le shield, 30% de chance de blocage. Bon. Il y a encore un truc qui traîne. C'est en bas à droite. On voit une petite icône qui brille de temps en temps là. Ah non, mais aussi. Elle s'était bien cachée. Et on dirait que je peux retourner faire des étages. On est alors soit à la fin, soit au début du niveau. Merde. Et du coup, je peux plus retourner où j'étais avant. Oh non, je voulais le lemming. Bon, j'ai pas eu le truc, vous n'êtes pas mort. Malchance, détruire 50 tonneaux vides dans les donjons. Yes. Je suis débutant maintenant. Prends la fontaine avant de descendre. Pas bête. C'est pas con. Non, mais en vrai, c'est pas con. Enfin, si, pour le coup, c'est moi qui suis con. Mais on va prendre du mana pour avoir plus de thème. Sauf que c'est trop tard, j'avais déjà cliqué sur descendre. Donc tant pis. Fine. I had a terrible dream. Ouais, je m'en fous. J'avais anticipé. Il y avait pas besoin. On refait une moyenne. 22 minutes à peu près. Avec les ennemis de glace, ça va être génial. Non mais aussi. On va faire le tour comme un con. Et du coup, il est empoisonné. Voilà. On y est retourné. Tu feras bien du Slay du Spire ce soir. Hein. Mais c'est pour ça. On en fait une dernière de 20 minutes et après on switch sur le jeu. Mais c'est compliqué. Le jeu est vachement cool en vrai. Normalement, si je fais un 1. Okay. Merde, putain! Oh putain! Comment je peux laguer? Non! 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 Et merde! Putain, mais pourquoi il y a du caca dans les pots? J'en ai rien à foutre. Cette esquive. Fumée trapue. C'est un poney. Enfin, il triche, il marche en dehors du chemin, lui. Non, merde. Rest
un cœur, ça c'est cool. Et là on a un reliquaire. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Ok, il n'y a plus qu'un coffre. Ok, une rune lunaire, ça c'est cool. Bon, 22 de vie et 19 de mana, c'est plutôt cool, non? Encore une rune solaire. Ah ouais, là on a tout du coup. Hop, suivant. Tac. Non putain, il va rager des os. J'ai pris 0 dégâts. C'était la rune Neverman. Ah ouais, non mais non. De toute façon, vous inquiétez pas, je ne passerai jamais un niveau si je ne vois pas, vous avez tout ramassé. Mais c'est pas celui-là que tu l'as tapé. Ce vieux spell tout claqué. En fait, le truc de l'épée ombre, ça fait qu'il attaque un deuxième mob. Voilà, attaque une accorde une attaque supplémentaire contre un ennemi à portée. C'est pas un ennemi à portée de moi, c'est un ennemi à portée de celui que je tape. Ce qui me permet de taper deux ennemis à la fois. Je l'ai buté avec le tonneau. Hop. C'est quoi ça? Oh, c'est du mana. Tiens, je peux stun la pierre étonnamment. Yes. Bah cours dans le spell, hein, n'hésite pas. De mana il me reste pour mes items. Oui. Oh, il y a trop de mobs. Oh, la tatane de dégâts de. C'est épais. Ouais, c'est ça. Du coup, je peux descendre les deux en même temps. Faudrait que j'arrive à augmenter le souffle puissant. Pour augmenter la probabilité de stun un ennemi, parce que le stun c'est le mec à chaque fois qu'il prend une flèche. Merde, j'ai fait tomber mon cœur encore une fois. C'est ça. Ça en fait quand même un petit paquet.
faire l'oublier. C'est marrant le bruit de... que fait le magicien quand il attaque. Ça me rappelle le bruit du cultiste dans Terraria. Quand il balance un spell aussi. Donc j'ai toutes mes popos, ça c'est cool. Apparemment j'ai oublié un item là. Oh putain, tellement loin. Et j'ai les 10 000 balles pour le prochain slot. Tout ça pour un truc dont j'ai pas besoin. Oh, j'avance mais au ralenti. J'ai déjà toutes les charges, donc ouais. Tap. Ok. Paf. Paf. Première fois, je crois que je prends vraiment les escaliers pour descendre. Et pas la TP. Vu la taille du truc qui est en train de m'arriver dessus. Ouais. Je me suis fait défoncer. Remember how when we were kids, we used to sneak into the cathedral and bother the monks in the scriptorium? Poor guys were completely... Je me suis fait défoncer, hein, vraiment. Yes, j'ai pas la thune, il faut que je retourne dans le donjon pour récupérer mon stuff. Bah c'est bien, je sens que je vais crever en boucle. Donc yes. Yes! Ça spawn à l'infini. Ça a intérêt de donner de l'XP, hein, tout ça. Mais je pensais qu'il m'attaquerait, lui. Oh, ça stun tout le monde. Vite! Facile. Merde. Mais c'est lui qui cheat là. Et qui met des patates de forain.
pas si facile que ça en vrai. Oh, je peux pas interrompre, c'est ça, pas spécial. Du loot. Oh, un cœur, j'avais pas vu. Bon, mon spell est vraiment cool. Hein. Le souffle puissant, il est vraiment sympa. Merde, j'ai du mal, hein. J'ai un truc qui permet de le mettre. C'est bon. Je suis dans un safe zone normalement. Non, je suis plus en charmant. Ouais. Charge de potion, yes. Et les archers aussi qui m'emmerdent. Ok, j'ai le mob le plus chiant. Oh putain. Peut-être avec la hache qui ignore l'armure. Elle ignore que le gel, pas l'armure. Pas de bêtises, hein, mais détruit chaque cœur gelé en un seul coup. Mais après, c'est vrai que c'est très fort contre les mobs gelés. Mais écoutez, j'ai assez de mana pour la prendre, donc il faudra qu'on aille au. Mais c'est vrai que ça peut être cool quand même. Donc, on ira voir notre pote, le. C'est qui fait ça? Le Sarge, pour déverrouiller une carte, il faut 10 000 balles, donc on a assez. Et on prendra ça. Parce que la hache, ça pourrait être bien d'avoir un peu plus de dégâts. Je sais pas si elle augmente les dégâts, tiens. 30% de chance d'enflammer, donc c'est plutôt cool ça aussi. Ou l'esquive, 20%. Et eux, en fait, c'est des ennemis de glace, mais ils ont pas d'attaque gelée. Visuel de mon perso a changé. Rage meurtrière. Une compétence passive qui se déclenche quand vous êtes sur le point de mourir. Yes.
vous soigne et vous accorde une immunité temporaire. Se recharge à chaque level up. On pouvait pas me la donner avant? Nice. Pendentif, ça c'est bien, régène. Restaure un cœur toutes les 3 secondes. T'es plus badass. Yes. C'est tout ce qu'on veut. La régène toutes les 3 secondes, c'est beaucoup. Je vais le taper quand même pour tuer les mobs qui traînent à côté de lui grâce à ma double attaque. On va faire là comme ça, c'est fait. Ah, j'ai des pointes sur mon bouclier maintenant. Ah bah yes. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Du mob. Putain, je vole, j'ai balancé mon spell juste après avoir... Oula. Toi, non. Je le fais pas, moi. Pas si facile que ça, hein. On va juste aller au village. Il nous faut le slot. Normalement, j'ai pas de carte. 15k le prochain. Et je sais pas, parce qu'en vrai, les cœurs c'est trop bien aussi. Un cœur toutes les 3 secondes, c'est énorme quand on y réfléchit. Et le joli, j'en ai pas trop besoin pour le moment. La régène, on est d'accord. 3 secondes, c'est pas beaucoup en vrai. Je peux upgrade le point. Une chance sur deux. Il coûtera 2 de mana. Et ça va coûter 1000 balles pour améliorer. Mais il fait un dégât en plus et 2 fois plus de chance de stun. Donc. Let's go. Waouh. C'est l'épée de l'ombre que je voudrais switcher. Pour l'âge. En vrai, l'épée, elle est pas mal pour, ouais, contre les groupes de mobs qui ont pas beaucoup de vie. Par exemple, tu vois, contre le gros qui peut se shield, là, qui devient invulnérable, je peux quand même buter tout le trash qui traîne à côté. Donc ça peut être sympa en vrai. La potion pourrait être intéressante à faire aussi maintenant. Ah, il faut n'importe quoi comme rune d'ailleurs. Et je peux encore upgrade le souffle puissant. Mais c'est super fort. J'avais pas vu, mais maintenant il détruit les shields aussi, mon souffle puissant. Et oh, niveau 3, c'est tellement fort. Les cœurs enflammés, les cœurs gelissent, boum, en un coup. Oh, c'est super fort. J'ai bien envie d'upgrade la potion. Je peux encore l'améliorer a priori. Une rune de vérité. 60 cœurs. Bon, 60 cœurs, ça fait un peu beaucoup quand même. Oh, missed me already? On va attendre un peu. Ok, donc il y aura un nouveau type de monstre. Et tout le reste, on connaît. Les Templiers sont tanky, hein. Mais bon. Vu que j'ai mon truc qui brise les shields. Il faudra juste qu'on garde le spell bah, pour ce genre de bonhomme. Mmh.
tellement bien fait de garder l'épée. La régène de cœur. Bon, c'est cool. Hop. Toi, tu balances pas ton spell. Au secours! Essayer de taper devant. Yes, ça a marché. Je peux enlever plusieurs cœurs d'un coup sur un gros mob. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai une fontaine avec moi. C'est ça en fait. Faut juste camper les fontaines et voilà. La potion de mana, bon, pas très utile. Vu que j'ai le. J'ai l'amulette. Ah, ça brise pas entièrement le shield. Rick le pourri. Enchanté. 2 minutes, je check mes bottes. Protège des effets négatifs au sol. Et un sac de lait. Je sais pas ce que c'est les petits losanges. Oh, ça va être compliqué. C'est les lots, je crois, les losanges. Ah, mais on trouve quoi dedans? Parce que ça, j'ai pas capté, par contre. Peut-être de la tuer. Nouvelle rumeur en ville, waouh. Oh putain! Oh putain! Tellement de cœur. Du coup, on a fini. J'ai fait à peu près un quart, je pense. Eh ben. Putain, je suis encore mort. Détruire 1000 cœurs. Interrompre 10 sorts. Sérieux? Pardon. Sérieux, chaudron, tu en accumules dans les chaudrons pour avoir des récompenses quand tu décides de le vider, de ce que j'ai compris.
On va prendre le Lemmings. Ouh, pardon. Oh, le corbeau, il est encore mieux. Revenir en ville, oui. When I was still a young monk, quand j'étais un jeune moine, nous plaisantions souvent sur le zèle ennuyeux de copier holy texts, and those with any wit left became master brewers. It does not sound very amusing now, but it would bring us to tears back then. Bon, il nous dit que c'est un expert du popo, et qu'en théorie, il devrait être contre la diseuse de Bonne Aventure, mais que bon, comme c'est pas une époque facile. Here's a riddle. What has hairy legs, bulging eyes, and smells worse than the feet of a sorcerer's apprentice? Alors que ça, c'était les mignons de l'énorme araignée qui avait coupé. Although I admit I find the dungeon around. Sacré bestiaire quand même. Et apparemment, il y a encore trois catégories, donc bon. J'ai pas assez pour ouvrir un emplacement, pas de carte à identifier. Oh, I can see your future is very grim. Améliorer une carte. Non, en vrai, non, on va attendre d'avoir des bonnes cartes. Et chaque level up, en fait, permettra d'avoir un effet supplémentaire sur les bottes. De base, on a le choc électrique, après, il y a le ralentissement. Puis ensuite, il y a araignée et obstacle. C'est ce que tu as perdu deux fois. Salaud. Je peux fusionner des rues. D'accord, donc deux solaires donnent une vie, deux lunaires donnent une mort, et une mort et une vie donnent une vérité. Et ça coûte de l'argent. You look like you could use a hot broth. Ah, c'est des récompenses aléatoires. Et les gris en redonnent encore d'autres. Et j'ai une rune. D'accord. Donc les lots, c'est des runes, de la thune, c'est des cadeaux. Voilà, c'est les tickets restaurant. Du coup, elle veut me revoir. Pour me dire que j'ai chopé une carte qui ne me sert à rien. Voilà. Bon. Bah, c'est sympa. C'est même très 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 sympa. Franchement, j'aime beaucoup. La patte graphique est top, le gameplay est vachement sympa. Bon, après, moi j'ai le problème du je clique à côté du bonhomme, du coup je m'avance sur le bon gros truc avec le marteau. Pour ça que tout à l'heure je me suis fait défoncer. Mais bon. Heureusement, j'ai une compétence qui me permet de raise si jamais je meurs. C'est vraiment cool. Bon, j'aime bien le système de cartes à upgrade. Après, c'est bien aussi qu'il n'y ait pas beaucoup de cartes d'un côté, ça m'évite d'avoir un pléthore de stuff et de ne jamais savoir quoi prendre. Et encore, il y en a déjà pas mal, surtout vu le nombre de slots qu'on a. J'aimerais beaucoup encore upgrade le sort. Que je ne trouve plus. Là. Ah non! En vrai, l'épée d'ombre est pas mal pour les petits groupes. Ça, c'est bah le mana, c'est cool. Surtout que bon, j'ai juste ça qui coûte 2 de mana. Sur le long terme, le bouclier pourrait être utile. Pas faux. Mais il faudrait voir s'il Returning customer. S'il peut avoir d'autres effets. Parce qu'a priori, non. C'est vraiment que du shield de projectile. Après, à voir si ça concerne aussi les projectiles magiques. Et dans ce cas-là, c'est vraiment très intéressant. Si c'est juste les flèches, je sais pas. Les bottes, bon, elles protègent pas du feu. En même temps, voilà, c'est les bottes, quoi. La régène améliorée, ça doit être tellement bien. Un cœur toutes les 2 secondes. Au niveau 3, ça se trouve, c'est un cœur toutes les secondes. Souffle frais aussi, c'est tellement fort. Et comme ça, j'aurais pas besoin de la hache, vu que j'aurais ça. Mais il me faut 2 trucs de mort, et pour avoir la mort, il faut du lunaire. Donc ouais, ça va être un peu compliqué d'avoir ça.
c'est pas les mêmes trucs qu'on me demande pour l'upgrade. Donc c'est indépendant a priori. Si j'améliore la magie, ça va pas améliorer l'armure normale. Donc bon. Ah, ça augmente la portée. Les effets d'autres cartes s'appliquent. Ce qui veut dire que je peux stacker le feu. C'est bien ça. Parce qu'en fait, ça veut dire que, à mon avis, quand j'attaque, si j'ai la hache et l'épée, le mec que j'attaque, ça va détruire son cœur gelé. Et ça peut l'enflammer, mais pas le mob qui sera à côté. Alors que l'épée d'ombre, du coup, appliquera également l'effet de la hache au mob qui traîne à côté. Sachant que la hache améliorée a également un effet de zone. Donc c'est cool. Bon écoutez, du coup, on va s'arrêter là pour Book of Demon. Donc il est vachement sympa. On reviendra dessus, au moins terminer cette partie, et puis après on avisera un petit peu ce que le jeu nous propose. Mais on reviendra dessus un autre soir, là ça va faire 2 heures qu'on a démarré. Et on va attaquer Slave Spire, ok? Faut juste que je ferme le jeu. Et on s'y colle.